Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle soirée GoldenEye. Alors, où est-ce qu'on était ? On avait eu tous les cheat options en agent et en secret agent. Et puis on a essayé de faire les missions en 0-0. Donc en gros, on a fait la première ligne. Et on était à deux doigts de réussir Silo. Et on était à deux doigts de réussir Frégate. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse ? Des petites options, ou alors je réessaye le silo. Sachant que ce qui reste... Alors, ah oui, il y a Facility. Ah, j'ai envie d'essayer ça. Même si c'est méga dur. Et Bunker. Bunker, c'est assez dur aussi, mais un peu moins dur, normalement. Ah, je vais commencer par un petit Facility. C'est un des plus difficiles de tout le jeu, hein, donc... C'est plus pour le fun que je le fais, là. Je crois qu'il faut faire 2 minutes 05, un truc comme... Ah déjà, pas que je m'arrête ici, non c'est mal barré. Juste que je fonce. J'ai besoin du keycard. Déjà là, je suis trop long. Ça va pas du tout. J'ai déjà réussi hein, dans le temps à avoir les petites options, je les ai tous eues. Il reste combien de lives sur 007? Bah j'en sais rien, ça dépendra combien de temps je mets à finir le jeu. Keycard. On le tue même pas. On tue juste la porte et après on prie. Ce passage là est un peu dur quand même. On fonce dans le tas. Mais j'ai même pas d'armes alors. Si j'ai que 10 munitions pour le KF7. Vraiment jusque là ça va. Et puis alors pour passer ces 3 mecs là c'est méga dur. Je sais plus comment je faisais. Est-ce que j'avais plus de munitions? Est-ce que je les faisais au PP7 à l'époque? Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Je me souviens qu'il faut que Dr. Doak soit dans les couloirs de la fin. Non seulement c'est méga dur, mais en plus il y a un facteur chance. Très lent. J'étais atrocement lent. Puis là, on se prend les murs. Si je ferme la porte derrière moi. Ah, il y a une grenade. Le problème, c'est que quand ils tirent en marchant, il faut vraiment que je les tue, sinon c'est pas possible. Trop dur. Peut-être qu'il faudra une petite pause pour tuer ceux-là, mais en même temps, j'ai des ennemis derrière moi aussi, alors... Il faut faire 2 minutes 05. De toute façon, si j'arrive à passer le couloir où je suis mort, là... Après, ça va un peu mieux. C'est plutôt calme. Il faut juste filer. Plutôt calme. C'est aussi dur que le début, on va dire. Tiens, allez, on va essayer le silo. C'était décevant la dernière fois, j'avais quasiment réussi, j'étais en vue de l'ascenseur et je me suis fait tuer. Et j'avais bien réussi tous les objectifs. Pas beaucoup de munitions là. Où y a du monde ?
Après, tiens, grenade, je pense. Hop. Circuit board, keycard. Donc là, je pense que je peux garder le KF7 ici. C'est pas tellement dangereux là. Pas tellement dangereux, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'ennemis à la fois. Hein. À peu près. Ah. Les bidons d'essence. Le meilleur passage du niveau. Ouh, y'a un mec. Dans la fumée. C'est pas sympa de se planquer dans la fumée. Oh, purée. J'ai pas entendu celle-ci. Purée. J'ai passé de... Tout allait bien. Vie maximale. À zéro. Quelqu'un avait entendu la grenade? J'ai vraiment pas entendu. Pourtant, je pense que je disais rien. Justement, j'écoutais. Derrière le mur, là. Merde, ça marche pas. Ah! Ma visée automatique est en panne. Et puis après GoldenEye, je pense qu'il y en aura encore quand même quelques lives. Vu la difficulté du jeu. Mais après, je sais pas trop ce que je vais faire. Théoriquement, j'alterne entre des jeux que je connais et des jeux que je connais pas. On se tire dessus. Merde. Niche cap. Non mais niche cap, je la connais. Même si ça fait longtemps. Chrono Trigger peut-être. Puis ensuite, bah, Perfect Dark ou Banjo-Tooie. Ah bah bon, on a encore le temps. Ah oui, en parlant de RPG Maker, il faut aussi que je ferai le chaudron d'or aussi.
Donc comme c'est très longtemps que j'ai promis, si je fais un jeu RPG Maker, je pense que ce sera le Chaudron d'Or. Bon, je suis presque mort déjà. Ouh. L'arme. Où est-ce qu'il est? Il est toujours dans les escaliers, le mec? Circuit board, keycard. C'est bon. Ah, encore une arme. Non, mais pas la main. Bon, pourquoi pas. Je cherchais mon PP7 silencieux. Où es-tu, PP7? Te voilà. Une porte qui s'ouvre. Non, c'est l'autre qui se ferme derrière moi. Psst. Oula, je pensais que c'était fini. De toute façon, c'était foutu. Bon, donc c'est toujours aussi dur que la semaine dernière, pour info. Le jeu n'est pas devenu plus facile. Allez, on va essayer la frégate cette fois. Frégate, c'est quand même censé être moins dur que silo. Je pense. Alors, je commence par les otages les plus durs, toujours. Ça, c'est à peu près sûr que c'est le bon choix. Patience, patience. Voilà, venez dans mon viseur. Merde! C'est bon, j'ai sauvé un otage. Le deuxième, il est presque insauvable. Enfin, les deux sont... Oups. Les deux sont très durs, en fait. Donc si j'en sauve un, ça me convient. Ouais, j'ai pas vu lui. Ok, bon. Est-ce que c'est safe? C'est safe. Alors, on va essayer d'aller à l'hélico. On va essayer un nouveau chemin. Parce que... J'ai lu sur un commentaire de la vidéo que j'ai postée. Que... Un bon chemin possible, c'est de passer... Non, faut que je fasse le tour. C'est d'entrer par là où il y a l'hélico, c'est-à-dire par ici. Si je me fais pas décapiter par les pales. Et puis, après, ils sont tous de dos. Voilà, genre, eux, ils sont de dos. Ah merde, c'est pas silencieux. Je prends mon temps. Ah, excellent! Je pense que ça devait être ça, mon chemin, en fait. L'autre, c'est un vieux chemin que je faisais avant, mais... Non, ça, c'est le vrai chemin. Là aussi, il y en a un de dos, je pense. Bim! Il y en a un autre qui panique derrière. Un, deux... Restez là, j'ai pas trop envie que vous fassiez le tour. Bon bah du coup ils sont partis, ils vont courir dans les couloirs.
Mets-toi au même endroit, comme ça t'es bien dans le viseur, c'est parfait. Mince. Ça me stresse les deux qui courent dans les couloirs là. Tiens, bah ils sont là. Je vais les attendre. Qui me tire dessus? C'est eux déjà? Heureusement, je vais pas tirer sur la bombe. Bim! Bim! La porte est fermée, tout va bien. Est-ce que je peux sauver l'otage depuis ici? Sans doute. On peut encore sauver. Si, c'est bon. Désamorçons la bombe. C'est vrai qu'ils sont un peu sourds, les mecs, là, parce que... Même sans le silencieux, l'autre, il a rien entendu du tout. Il y en a encore un là. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire de tuer tous les gens ici, en bas, mais je préfère. D'ailleurs, il y a une deuxième raison. C'est que je préfère visiter cet étage-ci de ce côté, en premier. Pour arriver toujours pareil, dos aux gardes. Merde. c'est pas le même chemin que la semaine dernière. Les gardes me surprennent. Donc. Et maintenant, on refait dans le même sens que la semaine dernière sur ce secteur-là. Vite. Je suis mort. C'est vrai que cet otage est pas si facile non plus. Le prochain qui est tout facile. C'est bon, tu es libre. Arrête de trembler. Et voilà, je suis revenu à l'hélico. Parfait. Donc c'est... Peut-être que j'ai qu'à revenir encore par l'hélico. Je veux dire, sur mes pas. Si, par l'hélico. Ça, j'évite un petit bout du niveau. Même si je pense avoir déjà attiré et tué les gardes qui sont dans le petit bout que j'ai évité. Alors, je pourrais passer par la passerelle là-bas peut-être, mais j'aime bien passer par les chemins que je connais quand même. En gros, oula, c'est cet escalier-là que j'ai évité. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne en bas, mais on sait jamais. Pas éviter un gros bout. Donc oui, j'aurais quand même vraiment pu passer par là. Je saurai pour la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. L'otage s'est échappé. Roulade. Allez, dernier otage. Pas facile non plus celui-là. Non. Merde, j'ai tué. Ou il est mort en tout cas. Bon, ouais. Derrière. Bon, ok. Cet otage-là... Alors, je vais changer mon ordre encore. Je vais venir ici. Avant d'aller tout en bas. Parce qu'en bas... J'ai l'impression que c'est quand même moins dur en bas que ici. Après, l'idéal, ça serait d'arriver à sauver les deux premiers otages, mais... C'est tellement dur. J'aime bien la musique de ce niveau. Allons-y. La reine Marie porte ses dévolus sur ses cousins allemands, le comte Henri.
pas mal que lui y vienne. Il fera un ennemi de moins dans la salle de l'otage. Ok. Vite, je me casse par là parce qu'il y a les autres mecs qui arrivent. Non, non. D'où il sort celui-là? Oh putain. D'où ils sont tous sortis ceux-là? Trois qui reviennent derrière moi là. Bon, j'ai quand même réussi à sauver les deux otages alors. Je me suis bien fait trouer la peau, mais... Je pense avoir sauvé les deux otages. Donc, on va faire comme on a dit, on va d'abord essayer d'aller sauver celui-là. Merde, non. Ne tue pas. Il vient jamais lui d'habitude. Ils sont moins sourds qu'au sous-sol, hein. Non, c'est la prochaine salle, c'est pas celle-là. Oh purée, il y en a derrière. J'ai plus beaucoup de munitions, mais ça va. Bon. Celle-là. Voilà. J'ai pas raté l'otage, là. La bombe, elle a eu chaud. Je pense que si je tire sur la bombe, la mission est terminée. Aïe, aïe, aïe. Tac. Bien. Donc maintenant, il ne reste plus que le sous-sol. Tracker bug. Bon. Soyons prudents. Ah, il y a trois maintenant ici. T'es toujours aussi sourd. Qu'est-ce qu'il fait lui? Une arme. Pourquoi je me suis baissé? Non. J'ai absolument pas, oups, voulu me baisser. Mais bon, c'était fun. Ok. Donc là, c'est chiant, il y en a deux qui peuvent me voir. Et puis après, il y a eux aussi. Dangereux, purée. Pas mal la technique de l'escalier là. Je sais pas trop s'ils m'ont vu là-bas. Bon, je vais pas insister. Hein. Ah, j'en ai tué un là. Pas les deux qui courent en personne. Mmh.
Bon, il reste encore deux otages, dont un difficile. J'ai encore toutes les chances de perdre. Salut. Ah non, encore lui que j'ai oublié, pareil. Mais c'est pas visé. Il aurait pu me tuer 10 fois. Ça me stresse. Plus qu'un otage, dont un otage facile. Normalement. Sauf que je stresse. Non, ça va. Donc là... Ok, je suis revenu ici. Parfait, je suis à l'hélico. Normalement, j'ai tout fini, là. Plus qu'à me barrer en survivant. Là, il n'y a plus personne. Là, je suis pas totalement sûr. Alors, je vais repasser par le chemin que j'ai déjà nettoyé. Complete, 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 complete. Est-ce qu'il faut que j'attende que l'objectif des otages s'affiche en tant que terminé ? Ah oui. C'est bon pour la frégate. Yes. Ok. Eh ben on a trouvé un chemin quand même bien meilleur que celui que j'avais à la base. Ok, on peut essayer Severnaya 2. Détruire toutes les caméras. Péter les coms. Disable Spetsnaz Support Aircraft. Je me souviens pas ce que c'est, ça. Entrer dans le bunker. C'est Severnaya. Non, c'est Severnaya 2. C'est la version de nuit. Donc faut entrer en se faisant capturer par l'entrée principale. Et ça... Ça, je me souviens pas. L'hélicoptère pirate a été traqué jusqu'à Severnaya. Ah oui, grâce à mon tracker bug. Eh, il y a une logique dans ce jeu quand même. Hein. Ou un keyhole 1 Elin Satellite recorded a brief firefight. Lorsque le pirate s'est tiré, le même satellite a observé un hélicoptère. Spetsnaz, anyway, can get you the creek, blablabla. Ouais. Ah oui, si, si, il faut péter l'hélico. Avec une mine. D'accord, c'est une mine qui n'a que 10 secondes. Donc faut la mettre sur l'hélico. C'est une mission assez dure parce que les ennemis, je pense qu'ils sont à l'infini, même quand les armes ne sonnent pas. Et ils me courent dessus tout le temps, même dès le début. Alors que je suis censé être. Voilà. Alors que je suis censé être à couvert, silencieux et tout. J'ai un petit avantage par rapport à la version 64, c'est que
il n'y a pas de brouillard. Mais j'ai un désavantage, c'est que les commandes sont moins précises. Il n'y a plus les barils d'essence là. C'était pas là, c'était dans Severnaya 1. Est-ce qu'il y a toujours l'histoire de la clé ici? Merde, je confonds les deux missions. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grenade ou quoi? Pas quand je suis dans la maison, hein. Ne me lance pas une grenade dans la maison. En fait, je pense que le truc dans cette mission, c'est de pas trop s'arrêter. Vu qu'il y a des ennemis qui viennent tout le temps. Il faut circuler. Pas aller dans des endroits inutiles comme je viens de faire. Alors, il faut détruire toutes les caméras aussi. Donc, il y en a une dans la maison. Dans une des maisons. Qui n'est pas celle-ci. Mais celle-là. Et on va faire le tour par là. Faire le tour par là pour l'avoir facilement, la caméra. Oh. T'as rien entendu? Le mec en bleu là? Purée, il fait le tour. Ils sont intelligents. Faudrait que j'aille plus vite parce que là, ils arrêtent pas de revenir. Je me fais clober la tête. Alors, ah, il y a quand même une clé ici, donc ça c'est important de venir ici. Comes room key. Parfait. Et ben on va aller soit dans la comms room, soit... Non, on ira dans la comms room à la fin. D'abord aller voir là-bas où il y a des choses à faire qui sont plutôt difficiles d'ailleurs. Derrière moi aussi. Il y en a trop. Il y en a un là. J'ai le temps de péter la caméra. Il me semble qu'il faut aller là, à moins que ce soit dans l'autre mission. C'est dans l'autre mission. Merde. Oui, ben il y a de la foule. Je me cache derrière le poteau. Pourquoi je reste en face? Il me
semble qu'il y avait un truc à faire dans cette maison. Dans ces maisons, mais... Et voilà. Ça se trouve, en fait, c'est... Il n'y a rien à faire et c'était juste... la caméra. Mais j'ai plus de munitions. Plus beaucoup de munitions. Je vais être obligé d'utiliser le club. Oh, il y a une maquette d'hélico. Je me souviens pas de ça. J'allais jamais dans cette maison, donc... Les ennemis sont quand même pas bien féroces, hein, dans cette mission-là. Oh purée, c'est de la merde, le club. J'aurais peut-être dû le tuer, quand même. C'est de la merde. Oh, mon pauvre PP7, il me manque, là. Vous pouvez pas savoir. Ah, KF7. Est-ce que j'ai assez de missions pour utiliser le KF7 un petit peu? Ouais, bof. C'est pas terrible, il y a tellement de monde. Yes. Merde, c'est pas laquelle. Oh, zut. Non! C'est là qu'il y a une caméra. C'est elle qui m'a vu, vous pensez? Maintenant que l'arme a sonné, ça va être encore pire, parce que... Même sans alarme, les ennemis sont déjà à l'infini, mais alors avec l'alarme... Il y en a d'autres qui vont débarquer, qui sont beaucoup plus forts. Allez, on va clober ces radios, là. J'ai plus de munitions du tout. Est-ce que j'ai pété toutes les caméras, au fait? Ouais, c'est bon. Break communication link to bunker, c'est pas fini. J'ai pas tout pété ce qu'il fallait. Catastrophe, le club, il tire tellement lentement. C'est lui qui est arrivé à cause de l'alarme. Ça rame. J'ai plus de munitions. De quoi que ce soit ou presque. J'arrive pas à le toucher à la main. Ok. Oh, c'est quand même... Je pense que c'est pas si dur, mais faut aller un peu plus vite, quoi. Pour avoir moins d'ennemis à tuer. Faut savoir le bon chemin. Les bonnes maisons. Maintenant, je sais où c'est, donc ça devrait aller. Tellement lent et mauvais avec les clubs que c'est vraiment pas dur, quoi, les combats dans ce niveau. Mais c'est le nombre d'ennemis qui est déterminant. Et où il y en avait un là normalement. Donc là je pète la caméra et il y a quand même, faut quand même entrer prendre la clé. Et puis après, je vais juste l'éviter, je m'en fous. Après, on va aller péter la caméra qui est tout loin là-bas. Donc en effet, si on va vite, on croise quasiment personne. Après, comme il faut faire demi-tour, et ben forcément on va tous les croiser. Je l'ai pas tué.
Mais en fait, les munitions du club et du PP7, c'est les mêmes, non? 20 plus 87. Ah, si. Pas besoin du viseur là, et si on se met pile droit, ça marche. C'est tout là alors. J'ai rien oublié. J'ai plus qu'à. Alors c'est là ou c'est là? Je sais jamais. Non, c'est là. On va foutre la mine. Et on va attendre 10 secondes. Et donc, c'est bon. Je vois pas objectif atteint, mais bon, normalement c'est ok. Non. Et où est-ce que j'ai oublié une caméra? Il y en avait trois. Ah, il y a une petite option aussi à avoir. J'étais largement dans les temps. Où est-ce que j'ai oublié une caméra? Parce que la première fois où... Ah si, si, je me souviens. Oui, il y en a quatre. Zut, quel idiot. Personne. J'ai tué personne. Laissez-moi sortir. Donc raison de plus pour speedrunner, on va essayer d'avoir le cheat option en même temps. Mais même sans ça, on a vu que c'est largement la bonne tactique. Plus on attend, plus il y a d'ennemis qui arrivent. C'est elle que j'ai oublié, tout bêtement. Ça marche plus. Crotte. Non. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des goupillés là? Ah purée. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette caméra? Normalement, je mets juste en dessous. Je fais CO à fond et c'est bon quoi. Boum. Objectif complété. Par contre, avec l'alarme, ça va peut-être être difficile de finir. Allez, vite, vite, vite.
passe. J'aurais pas dû parce que maintenant je suis bloqué, non c'est bon. Alors par où ils arrivent les ennemis bleus? Est-ce qu'ils arrivent par partout ou par l'entrée du bunker? Ouh là là. C'est bon. Et on a gagné un cheat. Oh, cette mission. Recover GoldenEye Operations Manual. Je sais plus où c'est ça. Compare staff casualty lists. Il faut enquêter sur la fusillade. C'est une des meilleures missions du jeu. Stop or I shoot. Ah non, j'aurais dû le... J'ai oublié qu'il y a les couteaux, c'est vrai. Donc là, c'est la mission pure infiltration, discrétion. Si on fait un bruit de trop, c'est fini. Ah ouais, des choses à récupérer dans cette salle, je me souviens. On ira plus tard. Ouh, il m'a vu lui là-bas. Ouh, il m'a vu lui. Parce que j'ai trop de gens qui m'ont vu. Ça y est. Ah, c'est mort. Non. Boum! Ok. Boum! Ouais, on va utiliser les couteaux. Wood Magnet Attract. Sont là les couteaux. Non, j'y arrive pas. Faut peut-être ouvrir. Bon, pas de couteau. Ah, en plus, je vais voir la porte qui était super loin, donc ça va être difficile d'éviter les balles. C'est bon. J'ai eu la clé de Natalia, mais on va la laisser enfermer pour le moment. Ah, trop tard. Bon, est-ce qu'on peut faire ça maintenant ou est-ce que c'est trop... ça fait trop de bruit, je sais plus. De toute façon, j'ai pas assez de munitions. Donc on va dire que non. On va le laisser passer. Ouh, il y a du monde. Là aussi, il y a un truc à récupérer. Un document, là. Qu'il y a du... document. Pas loin de faire la paperasse.
une clé. Clé d'un coffre. Ça serait utile dans l'eau sale de tout à l'heure. Ah, ça... Tout qui explose encore. Ah, j'avais tout un chemin pareil que dans Frégate, mais... très précis pour vraiment pas se faire repérer. Parce que dès qu'on se fait repérer, c'est mort. C'est tout l'intérêt de cette mission d'ailleurs, sinon ce serait pas rigolo. Puis pour les couteaux, bah, je comprends pas ce qu'il faut faire. Il me semblait qu'ils étaient là dans les égouts là. Enfin bon, on peut s'en passer. Hey Natalia, it appears that you are cellmates. My name is Bond. James Bond. Alors, notre ami qui va pas tarder à arriver. Viser la flèche en fait là. Faire munitions, ça peut suffire. Purée, il est pas mort. Voilà, maintenant la question est de savoir si j'étais trop bruyant ou pas. Donc la clé du coffre, c'est pour ce coffre-là. Il y a des documents dedans. Aïe aïe, ils entendent bien, ils sont pas sourds cette fois-ci dans cette mission, hein. C'est pas les mecs du silo, hein. Frégate, c'était plutôt où ils étaient sourds. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que tant que les armes sonnent pas, les ennemis ne sont pas à l'infini. On pourrait le penser, vu la quantité. Mais non. Purée. Clobit, passe travers le mur. Comme Callisto NTG. Non. Laissez-moi. Zut. Purée, il y en a encore un là. Donc il y a quelques endroits dans le niveau où... on peut un petit peu résister à une attaque généralisée comme là. Donc c'est-à-dire quelques endroits où les ennemis n'arrivent que d'un côté. C'est... il n'y en a pas beaucoup. On recharge. Super chaud de pas se faire repérer. Je pensais pas que c'était à ce point là. L'arme, mais j'ai pas pris son arme ou quoi? Je n'avais pas pris son arme. Mince. J'ai pas voulu tirer, j'ai pas fait exprès. Ben,
Je suis persuadé que la quantité d'ennemis est limitée dans ce niveau, ouais. Alors, ça veut dire que rien que... Enfin, c'est vrai qu'il y en avait vraiment beaucoup, alors je me demande. Ça me met le doute. Tremble de bouton. Bien sûr, dans cette mission, on n'a pas de silencieux. Sinon, ce serait pas marrant. En même temps, on était prisonniers. Ouais. C'est une arme volée à un garde qu'on a. Tiens, si tu veux plutôt venir par là, plus loin, pour faire moins de bruit. On nous entend pas trop. Voilà, c'est pas mal. Heureusement qu'il y a ces vitres là. Trop de monde ici. Je pensais qu'il y avait moins parce qu'ils étaient venus. Mais non, c'était pas eux. Je vais me faire exploser avec les armoires là. Et après, c'est super chaud aussi par là, partout. Ce que je sais, c'est qu'il y a un coin safe. C'est là. C'était le coin safe. Il est pas encore passé ou il est déjà passé lui? Je vais bien le laisser passer tranquillement, mais je sais qu'il y en a un autre. Ça y est, j'ai repéré. Faut que je prenne mon temps, je fonce pas. Et que j'appuie sur Z que avec des tout petits coups. Par contre, j'ai pas la keycard là.
Ils ont même pas vu que... même pas entendu que j'avais tiré sur la mitrailleuse. Donc là, normalement, c'est un bon spot. Parce qu'ils arrivent que d'un côté. Tous de la même façon. Donc... comme il y a quand même un moment où... où les fusillades sont inévitables. Si ce moment peut avoir lieu ici, c'est pas mal. Là, par exemple, c'est dangereux, ils peuvent arriver des deux côtés. Ils m'ont pas vu là-bas, lui. Putain, déjà. Donc, il a dû sentir le plomb quand même, là, dans son épaule. Et voilà, c'est ici mon spot. Alors, ensuite il y a les quantités indécentes de mitrailleuses automatiques dans ce coin-là. Surtout celle-ci qui est très perverse. Ouh! Ça fait peur celui-là. Ah, il avait une keycard, non? On va bien voir. Bah, et ses armes? Son arme, elle est passée où? Ok. Donc là, on a fait, à mon avis, pas loin du plus dur. Après, on n'a pas besoin d'entrer dans les salles tout de suite. Personne n'a rien entendu. Je sais que là aussi il y a une caméra, mais est-ce qu'il y a des méchants? Je crois pas, hein. Juste la caméra. Faut aller très très vite, sinon ça sonne. Là aussi, une caméra. Il y a beaucoup plus que dans le bunker 1. Videotape. La fameuse cassette de GoldenEye. Ah oui, c'est celle-ci qu'on peut péter à travers la vitre. Non, c'est pas là. C'est dans Bunker 1. Ah, c'est dans Bunker 1. Celle-là, j'ai déjà pété. Après, il y en a une sur la gauche là, donc en fait, je vais pas passer par là. Et puis la fin, ça va être méga dur, la fin. Là aussi, ça va être méga dur. Alors, eux, ils n'ont pas encore vu. Donc, on va les laisser tranquilles. Eux, je pense qu'il va quand même leur s'en occuper avant d'aller à la suite. Ils n'ont pas vu. Ils savent pas où je suis. C'est trop bien. Ça fait mal à la casquette. Safe key. Ah, donc les mecs qui ont la clé du coffre, c'est ceux qui sont dans la salle. Ah non. C'est pas le... Il y a plusieurs safes. Plusieurs coffres. C'est pas possible. Alors. Oh merde. Donc là je passais vite parce qu'il y a la caméra. Hop 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 hop. Ah non, c'est fermé. Il m'avait ouvert mais maintenant.
J'ai encore eu des clés. Oh mince, c'est encore plein. Je n'ai plus de la taille de cette salle. Pas une caméra quelque part là? Non. J'ai trop peur qu'il y ait une caméra d'un coup. Non. Par contre, je sais où elle est. Elle est là-bas. Il y en a... Enfin, en tout cas, il y en a une là. Je pense qu'il y a des munitions dans toutes ces caisses là. Pourquoi ne pas les péter? Je sais bien que j'avais entendu une porte. Hein. Est-ce qu'on aura assez de munitions sans péter toutes ces caisses? Purée, pas mort. Par contre, ses potes, ils ont rien entendu. Rien vu, rien entendu. D'autres mecs là-dedans, c'est pas possible autrement. Sûrement une caméra même. Il y a une caméra, je l'ai vue. Je peux le péter avant la porte. Bon, il n'y a plus personne. Peut-être qu'ils sont déjà venus. Alors, est-ce que j'ai des choses à faire dans cette salle? Oh, j'ai plus beaucoup de vie. Alors, les listes, oui, ça c'est vrai. Les caméras. Recover GoldenEye Ops Manual. J'ai pas spécialement d'objets pour faire des trucs informatiques. Donc ça devait être seulement dans le bunker 1. On me demande pas non plus de les détruire. Donc, en fait, il n'y a rien à faire dans cette salle à part péter la caméra. Je peux retourner au coffre. Ah oui, puis il y a ça aussi. Ah. Oh, il y a un PP7 silencieux dans le coffre. Mais c'est génial. Oh, double PP7 dans ce niveau, je me souvenais pas. Je me souvenais pas de ce détail. Par contre, c'est assez compliqué d'obtenir. On peut pas l'obtenir vraiment au début du niveau, quoi, parce que la clé du coffre est pas du tout au même endroit que le coffre. Finalement. Attendez, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il est tout seul? Les autres sont déjà venus? Yes. Infiltration réussie. Alors, où est-ce qu'on est dans les objectifs? Les listes, c'est bon. La cassette, c'est bon. Les caméras, il en reste encore une. Dans la dernière salle. Donc là, je sais pas si je vais... Si, allez, on va essayer de garder le PP7. Je vais mettre dans le petit angle qui est là au bout. Thank you.
Ah. Il faudrait le fusil sniper là. Une caméra debout là-bas, mais elle est tellement loin que je la vois pas trop. Je la vois même pas du tout. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Oui, il y en a une. Cool. C'est bon, on a réussi, on n'a plus qu'à se barrer. On a nettoyé le niveau. Petit à petit. Il y a peut-être encore des méchants là-bas. Peut-être même que ça va sonner quand j'ouvrirai la porte. Je sais pas pourquoi. J'ai des souvenirs de ça, mais... Je pense pas, mais ça coûte rien d'aller ouvrir à Natalia avant de franchir la porte. Salut, suis-moi. Et en fait, dans ce niveau, c'est le début qui est le plus dur. Mais je pense qu'il y a encore des méchants en haut là. Non, c'est bon, il n'y a pas d'alarme. Ah non, il n'y a plus de méchants. Et voilà. Bunker 2, réussi. Ah ah. 14 minutes 19. Ah bah on avance, nous aussi à Saint-Pétersbourg. ok. Donc c'est exactement les mêmes choses à faire qu'en agent secret. Et je pense, je me demande si la technique de foncer serait pas à nouveau la meilleure. Contrairement au Bunker 2 bien sûr, mais comme dans Sivernaya 2. Parce que là aussi les ennemis ils courent tout le temps et ils sont à l'infini je pense donc. Et si on fonce normalement ils peuvent pas trop nous avoir. En tout cas en secret agent, j'ai quasiment pas croisé d'ennemis pour avoir le cheat option. Donc peut-être que ça peut marcher aussi en 0-0. Valentin, parle. Balance-moi tes infos. Ok. Ok, vas-y. Barre-toi. C'est bon? Je suis trompé de chemin ou quoi? Merde. Je me cache. Donc ils savent officiellement pas viser les ennemis de base de ce niveau. Par contre, là, ceux qui sont avec Janus avec leur fusil à pompe, ils font un peu plus mal. Alors, je vais essayer de m'approcher pour avoir le moins de distance à parcourir après. Mais faut pas que je m'approche trop, à mon avis. Alec, tu es Janus. Back from the dead. You're back from the dead. Elle est encore là. Je peux reprendre mon arme, non? Non, c'est pas par là. Aïe!
Après, ça va être Archive, c'est encore une mission excellente en 0-0. Un peu dans le même style que Bunker, je pense. Bunker 2. Enfin bon, on va déjà essayer de finir. Statue. Salut Natalia. Viens voir. Quickly this way. La boîte noire. Allez, dans mon viseur. Ici. Ici. Pas loin. Décidément, on en détruit des hélicoptères. Dans ce jeu. J'ai rien oublié ? C'est vraiment si facile que ça ? J'ai pas tué un seul ennemi. Ok. Escape for... Si on réessaye un peu le silo, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait ? Cheat de Bunker 1. Ou alors le silo. Alors, c'est un petit coup de silo. Ou le cheat de Facility, mais alors là... C'est un niveau de difficulté au-dessus. Quand même que je me dépêche aussi dans cette mission. Avec ce fichu chrono. Ah, j'arrive pas. Vite, 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 j'ai pas le temps. Donne-moi tout. Les trucs. Hey, cours pas comme ça toi. Calme-toi, calme-toi. Voilà. C'est bon, ça suffit, vous en avez eu assez. J'ai même pas peur de la fumée. J'ai peur des grenades. C'est une arme qu'on a entendu tomber là. J'aurais dû me reculer. Oh. Zut. J'ai quand même bien foiré sur ce coup-là. Et puis ils ont rien entendu. C'est bon? Personne là-haut? Arrête de passer entre les balles, toi. Alors, que j'oublie rien là-dedans, keycard. Trop de bruit de porte. J'aime pas. Ah ! Non. Encore ? Je pensais que tous ceux qui sont descendus, je serais super tranquille ici.
Allez, il faudrait quand même réussir ce silo. On a réussi plein de missions ultérieures à silo, mais... on bloque sur silo. Non. Grave erreur. Oups. Mais ça fait vraiment... ça fait vraiment spawner des gardes hein, quand on tire avec le KF7. C'est pas possible qu'il y en ait autant normalement. Bip 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 bip. C'est efficace hein, ce barbecue. J'en ai eu 4. Ouh, cette fois-ci. Ah, j'ai pas vu j'ai pas vu le feu, mais il y a bien eu une grenade. On a entendu l'explosion, elle a même tué des gens. Ah ouais. Ok, cool. Bien. Bien. Bien placé. J'aime bien quand ils viennent pile dans le viseur. Hop. Je me dépêche quand même. Attention à celui-là. Pourquoi il n'a pas tiré? Franchement, vive le PP7, hein. Trop bien, le PP7. Oh, je suis dans la tête. Alors, donnez-moi les trucs. Il y a le DAT aussi. Keycard, mais il y a le DAT aussi. Je suis sûr qu'il est là. Plastique. Je l'ai pas eu. Hein. Je reprends la... Ah ben, ce sera la caméra qu'il me faudra le coup d'après. Bon. On est bien d'accord, c'est dans cette salle. Il y a un scientifique qui a dû le jeter. Bon, on va dire que c'est dans la prochaine. Ah, j'ai plus beaucoup de munitions. Il y a du monde. Il y a du monde.
Ah. C'est dur. Je crois qu'ils avaient rien vu, rien entendu, ceux-là. J'ai cru entendre deux armes tomber, alors j'ai pensé que c'était une grenade. J'ai rien oublié. Circuit board keycard. Quand on tire un tout petit coup avec le KF7, c'est équivalent au silencieux en fait, je pense. Eh, on voyait pas les trucs de fuel là. Des grenades ici. Allez. Alors là, il vaut mieux le PP7, silencieux.
Pas mal comme technique. En plus, ça économise plein de munitions ce que je fais. Ah, le fameux date. J'avais vraiment raté. J'ai vraiment pas compris où il était. Et qui garde. Plus que 4 minutes. Rendez-vous général ici. J'ai pas eu. Ah non ! Saloperie ! Corps du monde. C'est là que j'ai les pare-balles, non ? Plus beaucoup de munitions. Comme ça. Il est mort ? Il est pas mort. Il est pas mort, mais il n'y en a plus qu'un, je pense. Purée, il y a du monde encore. Il m'a vu. Alors, prenons une petite photo. Parce que bien sûr, on a que ça à faire. Prendre des photos. Plastique. J'espère qu'il n'y a plus de méchants, en fait. Il n'y a rien à récupérer ici. Il ne reste plus qu'à passer au room off. Ah, il me tire dessus. La porte. J'ai le cœur qui bat. J'espère que j'ai rien oublié. On va vite le savoir. Ouais. Il y a l'animation, c'est bon. Cool, ça va exploser. Je me souvenais plus que ça finissait de cette façon là. Ah, enfin! Yes! Ok, trop bien. Ok, ok, ok. Je fais une toute petite pause. Et en attendant, vous avez qu'à me dire ce que vous avez envie que je fasse ensuite. Entre les cheat options ou alors archives en 0-0.
Ok. Donc vous êtes plus pour les cheat options. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de missions, on n'a pas trop fait de cheat options ce soir encore. Donc on va essayer Facility alors, puisque c'est le prochain sur la liste. Bien qu'il soit presque impossible. Et c'est vrai que je me souviens plus de la technique de tirer des tout petits coups de KF7. Qui est en fait aussi discret qu'un silencieux. Donc là, j'ouvre la porte, je me recule. Et après, j'y vais. Ah, raté, c'est mort. J'ai perdu un quart de demi-seconde et du coup, c'est mort. Je pense. Bon, je réussis à en tuer un, c'est déjà bien. J'allais plus loin que tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de mettre celui-là pour qu'on ouvre la porte. Ou bien juste de tirer sur la porte. Ensuite, faut foncer là-haut. Mais là, je suis pas allé assez vite, alors. Je me suis fait tuer. Et après, il faut espérer que le Dr. Dog soit là. Il faut lancer l'ouverture de la porte avec le décodeur et se retourner pour tuer 2-3 ennemis en attendant qu'elle s'ouvre. J'essaie pas de les tuer ceux-là, ils sont pas dangereux en fait quand je vais vite. Plus qu'eux qui sont pénibles. Au pire, je les tue pas, mais faut au moins les blesser pour pouvoir passer, quoi. Après, je ferme la porte. Je ferme encore la porte. Et puis, ici, il faudrait que je tue quand même celui-là. Je prends le temps. Ah, merde. J'ai raté mon coup. Open the door. Je suis trop lent encore. Peut-être que je serai plus précis avec le PP7 pour passer cela. Déjà 1:11 sur 2:05. C'est encore long la fin. Enfin, c'est encore long. Le temps de mettre les mines, surtout. D'ouvrir la porte. De rencontrer Dr. Doak. Qui nous donne le décodeur, d'ailleurs. KF7. C'est trop dur. Dire que j'ai déjà eu un mal fou à juste finir la mission. En 0-0. Ah non, pas dans le casque.
touche. Ah, j'ai pas réussi à les blesser. Faut au moins les blesser pour pouvoir stopper leur tir, quoi. Ah. Petite option des archives. C'est pas possible, faut déjà que je fasse le niveau de façon normale. Ce qui est censé être plus facile que le cheat option. À moins que ça soit comme Severnaya 2, mais je crois pas. Je crois pas que Archive soit plus facile en mode speedrun. Est-ce que c'est... Là, j'ai plus que deux points de vie. Oh la vache, c'est trop dur. Seulement faut survivre jusqu'ici, mais après faut avoir une chance inouïe, espérer qu'il soit là. Il est pas là. Sachant qu'il est là à peu près une fois sur 5, je crois. Il doit y avoir 5 emplacements. 4. Alors. Donc, facility, et après ça serait bunker. Et celui-là j'ai déjà fait. On va essayer bunker alors. Alors. Comme je viens de le faire, le bunker 2, je vais bien sûr confondre les deux niveaux. Si je suis assez rapide, je pense pas. Une caméra ici aussi. Celle-ci est dans les deux, bunkers, je pense. J'ai oublié lui. Merde, ça va sonner. Ah. Ceux-là, c'est fini. En plus, ils ont des gilets pare-balles. Ils sont super durs à tuer. Alors, combien de temps il faut mettre? 4 minutes. C'est assez long parce qu'il faut faire le truc avec Boris et tout, c'est super long. On va essayer par là du coup. En fait, le mec qui mène.
Ah, c'est celui, le mec qui m'a entendu avec la caméra. Quand j'ai pété la caméra précédente. J'ai oublié ce détail. Mince. Grenade? Pas de grenade. Ouh. Non, c'est pas dans l'angle de la caméra. Ah, ça va vite, hein? Peut-être que je ferais mieux d'avoir cette caméra par la porte. Par l'autre porte, je veux dire. Parce que là, c'est un petit peu difficile. Ça se trouve, c'est pas plus rapide. J'ai l'impression que je suis très lent. Peut-être il faut que je tue les mecs là avant. Stop les clubs. Alors, il faut que je photographie l'écran. Merde. Sans problème, moi je prends des photos pendant que... Eh, viens voir. Je prends des photos pendant que je me fais tirer dessus. Dans la caméra. Ça me fait chier parce que Boris il va s'enfuir. Je vais lui péter cette caméra de loin. Ouais, du monde. C'est con parce que tout ça il m'avait pas vu. Si Boris s'était pas enfui, j'aurais pas eu besoin de les péter. Allez, te barre pas comme ça. Où est-ce qu'il est? Mais c'est pas possible. Allez, dépêche-toi. Je suis pressé. Alors, il faut que je fasse des trucs maintenant. Key Analyzer. Faut moins que je fasse ça. Et que je jette l'original. C'est trop long. J'ouvre la porte. Ok, alors je prends mon machin. Data thief. Pour l'instant ça marche pas. Vas-y, active l'ordinateur. Bon.
Ils arrivent vite quand même. Les renforts. Ah, faut que je... Est-ce qu'il fallait que je tue la... Que je détruise l'alarme là-haut aussi? Ça fait partie de l'équipement de surveillance. Ah non. Y'a pas besoin. Ah, j'étais dans les temps. Ah bah c'est con, en fait j'avais presque réussi. En allant pas si vite que ça. Donc je prends pas le temps de détruire ça, on s'en fout. Donc on va reprendre le temps de nettoyer cette salle avant, vu que finalement il y a le temps. Photo. C'est l'heure de la photo. Caméra. Ok, ensuite quoi d'autre? Je vais prendre le zoom du KF7. Normalement si je tire un tout petit coup, c'est comme un silencieux. Voilà. Personne n'a rien entendu. Boris. Take me to the mainframe terminal. Purée, il y va. On va essayer de le suivre pour qu'il s'échappe pas. On va rester avec lui. Ah, je tirais dans les barreaux. J'ai plus beaucoup de missions. Tu es très sage aujourd'hui, Boris, tu t'échappes pas. Très très bien. J'ai pas encore copié la clé. Est-ce que je fais ça pendant ce temps? J'ai pas trop le temps. J'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Vite, pause. J'ai perdu pas mal d'énergie quand même. On va peut-être prendre le temps de tuer les gardes noirs. J'ai la clé. Merde! Ah! Oh. Quelle connerie! J'ai fait une connerie. Il m'avait ouvert la porte. Ah, ça y est, elle est à nouveau ouverte. Ah, je vais mourir. Il n'y a pas moyen d'éviter l'alarme avec Boris. On est bien d'accord. 3:37, j'étais bien dans les temps. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de tuer les gardes noirs parce que le temps d'en tuer 3, ben les 3 suivants sont déjà là. Mais non, mais... Quel repère celui-là. Hop.
été très discret là depuis le début. J'ai entendu un bruit de porte alors j'ai un peu paniqué alors qu'il n'y avait pas d'ennemi qui arrivait en fait. Et puis personne. Ah, qu'est-ce que je fais? Caméra. Donc, ah mais alors déjà, je veux pas de club. Puisqu'on est parti comme ça. Pas vraiment lui que je voulais avoir, mais je l'ai eu quand même. Enfin, je veux dire, j'en ai eu un autre. Voilà, bon, bah, encore une fois, il y a plus d'ennemis quand je suis pas discret. Non, je vais arrêter, je suis presque mort. J'ai aucune chance pour la fin, là.